Bonsoir, nous vivons les dernières heures de l'année 2015 et nous allons donc regarder les prévisions pour votre nuit du nouvel an avec quelques gouttes à prévoir entre la Provence et la Suisse, un peu de neige d'ailleurs sur le nord des Alpes et puis quelques averses résiduelles entre la Vendée et les frontières du nord. Ailleurs, le temps sera calme, mais attention, des plaques de grisaille pourraient se former avec parfois des brumes et des brouillards. Pour demain matin, on va retrouver de la grisaille sur une grande partie du pays. Pour retrouver le soleil, il faudra se diriger vers l'extrême nord ou encore en direction des reliefs. Quelques gouttes sont également à prévoir en direction du golfe du Lion ou encore sur la pointe de la Bretagne. L'après-midi, vous retrouverez de la grisaille tenace sur les régions du Nord ainsi que vers les frontières allemandes et le Val de Saône. Ailleurs, le ciel sera souvent voilé avec une impression laiteuse. Toujours de nombreux nuages vers le golfe du Lion et les Cévennes ainsi que sur la Bretagne avec quelques pluies. Au rendez-vous, les températures de votre vendredi matin, comprises entre 0 et 11 degrés, généralement positives, donc pas trop de risque de verglas. Et puis pour les températures maximales, on restera au-dessus des normales de saison. Évidemment, sous les nuages bas tenaces du Nord-Est, il fera plutôt frais entre 6 et 8 degrés, mais il fera 11 à 12 en Bretagne, 14 degrés vers la vallée de la Garonne et jusqu'à 16 pour la maximale, aussi bien pour Biarritz que pour Perpignan et pour Ajaccio. Passons à votre week-end avec samedi une perturbation pluvieuse qui va circuler des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est avec de la neige sur les Alpes et sur les Pyrénées. À l'arrière, le retour des averses pour le quart nord-ouest avec également de bonnes rafales de vent et les températures vont remonter. On sera dans la douceur généralement entre 10 et 13 degrés. Pour votre dimanche, un temps encore une fois bien morose avec une perturbation pluvieuse très active qui va nous parvenir en cours de journée par l'ouest avec également de fortes rafales de vent. Elle traversera l'ensemble du pays en cours de soirée et de nuit suivante et les températures seront toujours situées quelques degrés au-dessus des normales saisonnières. Pour la suite avec lundi et mardi, on prend les mêmes et on recommence avec dès lundi une nouvelle perturbation qui va nous parvenir par l'arc océanique. Elle circulera sur la plupart des régions pour mardi avec des chutes de neige, ça c'est la bonne nouvelle sur les reliefs. En plaine, ce sera de la pluie. Et puis enfin pour mercredi et pour jeudi prochain, encore des pluies mercredi du sud-ouest jusqu'au nord-est avec de la neige en montagne et pour jeudi une nouvelle vague pluvieuse qui devrait balayer une grande partie du territoire avec des températures orientées à la hausse. On en reparlera évidemment dans le bulletin de demain soir, mais d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon réveillon. Au nom de toute l'équipe de Météo Express, je vous adresse mes meilleurs voeux pour l'année 2016 en espérant que celle-ci vous gâte à tous les niveaux et qu'elle soit meilleure surtout que la précédente. Excellente soirée à tous et à demain pour le premier bulletin de l'année. Merci de votre fidélité.